Et salut à tous les amis, c'est Skymdarks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 sur Let's Play du volume 1 Rebirth de la licence AGU. Et du coup, pour faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent, du coup on s'était baladé avec Atoli pour qu'elle vienne nous rejoindre pour combattre dans l'arène, sauf que ça ne s'était pas passé comme prévu. Et du coup, on va voir ce que cet épisode va nous proposer tout simplement. Et est-ce que ACO va s'excuser auprès d'Atoli? On va voir ça de suite. Donc, on va se connecter comme d'habitude. Bon, pour le troisième joueur de l'arène, c'est raté. Je ferais mieux de rentrer à l'accueil de Canard pour mon rapport. Ok, donc en fait, hier, parce que. Du coup, comme je me suis. Je suis revenu dans la ville, ça m'a mis. Ça m'avait fait déjà ce petit message-là. Ok, donc on va aller dans la guilde de Canard. Ok. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors. Je vais utiliser la moto. Parce que je crois qu'il y a un trophée, c'est d'utiliser la moto pendant 30 minutes. Mon coquet, très bien. C'est quoi ce... Ah d'accord, ok, voici. C'est là où il y a Gaspard. Okay. Assez haut, on n'a rien à vendre. Ajoute quelques objets. Ok, donc je vais vendre. Une tempête de feu. Boisson de vie, je vais en vendre, enfin je vais donner aux marchands 10. Ok, lame de farfadet, c'est pareil, je vais en mettre 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai pas masse d'objets non plus. Ok, donc juste ça. Ok. Donc je vais mettre ça en vente. Ok, donc on va monter en moto en se dirigeant par là. La direction de la moto, je la trouve pas hyper hyper évidente. Regardez comment je galère à tourner à droite, à gauche. C'est pas hyper simple. Alors, tac. Par là. Pas hyper simple. Si la moto. Après, on n'est pas dans un jeu de course non plus. Il y a eu un petit écran de chargement. Ok. Je vais descendre de ma moto. Voilà. Direction la guilde. La guilde de canard. Wari. Arina no 3 nimme. Dame datta. Sugi no tournament mo chikai shi. 呪文師は引っ張りだこだからね。やっぱ、いなきゃダメか。あ、なんだよ。BBSで募集してみたら。それだ。なるほど。じゃあ、僕がBBSに書き込みしておくよ。頼む。書き込んだらメールするから。 公式 BBS をチェックしてね。 Alors, donc j'ai un nouveau message. Donc on va se déconnecter tout de suite. On va aller voir ce que ça va nous dire. Avec, donc, email important non lu dans la messagerie. Donc messagerie. Message
de Syllabus, donc ce qui nous a expliqué qu'on va rechercher un troisième membre du coup. J'ai publié une offre de recrutement pour l'arène sur les forums officiels Z-World. L'offre s'appelle Recherchons Claire, jette-y un coup d'œil. Ok, donc faut aller sur le forum officiel. Donc je pense qu'il faut forum de la communauté, voilà. Ok, donc rien d'intéressant ici. Ah, c'est celui-là. Ok, donc ici c'est bon. Alors du coup, alors est-ce que c'est ici? Non. Peut-être dans la rumeur. Mystère de Z-World. Ok. Alors là ici. Ok, donc ici on n'a pas de truc important dans l'actualité. Ça, ici. Répondre ça. Ah ok, c'est cool, comme ça on peut augmenter notre affectation avec certains personnages. Alors, c'est peut-être pas ici. Ici, je vais directement sur Z-World. Est-ce que c'est là-dedans? Les agents importants de forme officielle. Ah voilà, d'accord, ok. Il fallait aller ici. Bon, j'ai quand même répondu à des trucs qui m'ont permis d'obtenir de l'infectation avec Syllabus notamment. Là, on va aller sur la recherche de membres. Donc, recherchons Claire. Nous cherchons un clerc qui souhaiterait rejoindre notre équipe dans le tournoi du palais démoniaque. Elle est constituée d'un rebelle expert épée double, donc moi ACO, et d'un manieur des lames. Voici un message de la part de notre chef ACO. Salut, je suis ACO, un rebelle. Je cherche un clerc qui me rejoindrait dans l'arène. L'objectif c'est de s'amuser et d'être heureux dans une équipe où tout le monde compte pour les autres. Tu peux être une fille ou un garçon dans l'espoir que notre nouveau coéquipier prêt à travailler dur nous donne de ses nouvelles très bientôt. Ok, ouais, mais je dirais jamais un truc pas. C'est ce que j'allais dire en plus. Plutôt mourir que d'ici, c'est Smiley. Ah, sacré Syllabus. Donc je suppose que l'on doit retourner à aller le voir, tout simplement. Ah non, j'ai encore un message. Ok, bon bah. Je me suis connecté pour rien en fait. Donc, une petite déconnexion. Nous allons dans les emails. Alors, messagerie. Réponse de Syllabus. On a reçu une réponse à notre offre. Vas-y, jetez un œil. Ok, donc ça a été très rapide. Donc direction le forum officiel. Ok, donc forum officiel, donc nous retournons sur, sur l'annonce.
Il n'y en a pas d'autres, ok. Elle s'appelle Sakura. Ça me dirait bien de vous rejoindre dans l'arène. Je serai près d'un statue de la bête à Delta Galant, saison sous l'art. Viens dès que tu peux, s'il te plaît. Oh, et viens tout seul, je t'attends. Ok, donc direction cette zone. J'espère que c'est pas une blague. Je me demande ce qu'il implique par viens seul. Peu importe, je ferai mieux de rencontrer cette personne, le lieu de rendez-vous. La statue de la bête de Delta Galant, saison sous l'art. Ok. Donc on va se diriger vers cette zone. Certes, une nouvelle zone. Et on va voir qui est cette fameuse Sakura. Peut-être que c'est un personnage mâle ou femelle, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est plus un personnage femelle. Le membre potentiel m'attend. Il faut que je me dépêche d'aller à la statue de la bête de Delta Galant, saison sous l'art. Ok. Donc, marque-page, Galant, saison sous l'art. Zone de niveau 5. Ok, pas très compliqué. On a pu voir le petit personnage qui est utilisé par des jumeaux. Alors il faut que je me rende à la statue de la bête. Alors. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien réussir la mission en rang S. Voilà. Faut que je les prenne de côté en fait. Alors, je vais prendre aussi des chimes pour essayer d'avoir la possibilité de finir la mission en rang S. Bah, il s'est barré. Ah, ok, il est là. Je vais essayer d'en prendre à peu près. À peu près une cinquantaine. En plus j'ai eu un nouveau trophée frappeur de chim. Moi j'aimerais bien finir au moins une mission en rang S. Après je pense que pour finir une mission en rang S, il faudrait que j'ai toutes les catégories à la fin de la mission en rang S. Ok, donc je vais prendre juste ça. Alors, je vais me diriger vers le haut. En plus ils font pas très mal. Puisqu'ici ça reste quand même une zone de niveau 5. Ok, donc faudrait que je prenne plutôt par là. Voilà. Ici, on a une porte. Avec un coffre. Carré, rond, X carré. J'ai eu
des sabres, mais je pense pas que c'est des sabres qui sont très forts. Sachant que je suis dans une zone niveau 5. Voilà. Comme ça, j'en ai tué un. Faudrait que je les prenne plutôt par derrière. Je me mets en plein milieu comme ça. Non. Voilà. Je vais peut-être monter d'un niveau aussi. Bon, il me donne pas beaucoup d'expérience. Mais bon. Je vais retourner par là aussi. Parce que je suis pas descendu du côté bas de la zone. Moi j'aime bien un peu voir tout ce qu'il y a sur les zones. Non. Petite attaque surprise. J'ai tué les trois. Bon, c'est vraiment une zone faible. Y a pas trop d'ennemis forts ici. Là, je vais plutôt y aller de côté comme ça. Là, je leur fais deux attaques et ils sont one shot. On a une arme de fée, un soda antidote. J'ai pas eu encore ce style d'objet. Ok. Nous attendons. Voilà. Hop. Orbe de fée. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une larme de farfadet, ok. Petite attaque surprise, voilà. Elle fait des dégâts, mais pas beaucoup, vraiment, vraiment très peu. Donc je risque rien. Alors, hop. Et ici on a juste un coffre, poisson de vie. Alors, du coup, ouais, j'ai plus rien ici, j'ai pas d'ennemis. Petite attaque surprise pour les finir. Ouais,
Du coup, est-ce que je prends le chemin du haut? Bah, je vais prendre le chemin du haut. Ok, donc on a des ennemis. Hop, je vais y aller tranquillement. Quoi? Ici. Ok, donc je me suis. Ok. C'est vrai que depuis que je joue, depuis le début du let's play, depuis que je commence le let's play sur cette licence là, je me suis jamais trop approché des ennemis, donc je savais pas trop ce que ça faisait. Ok, donc si on se rapproche un peu trop des ennemis, forcément ils attaquent. Ok, bon bah le rang S pour cette mission, ça sera, enfin pour avoir le trophée, ça sera pas pour aujourd'hui quoi. Ok. On est dans secteur 2. Du coup, on est reparti. Hop. Se diriger par là. Alors ici, elle est un peu, elle est vachement grande la zone ici. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis. Alors je vais prendre le chemin par là. Il y a plusieurs chemins en fait. Voilà, je vais prendre par là. J'ai obtenu un sang d'antidote, une boisson de vie, ok. C'est un assassin chim, il vit dans le donjon. Il n'apparaît que si le joueur possède un certain nombre de sphères chim. Si son piqué diagonal te touche, tu perdras tes sphères chim. Esquive cette attaque et contrôle. Ok. Ok, bon, j'ai réussi. J'ai même pas reçu de trophée. C'est de l'arnaque, moi je dis. À faire la petite attaque surprise habituelle. Ah, je me prends des coups. Heureusement qu'ils font pas très mal. Une orbe de fée. Ok, donc je vais prendre plutôt ce chemin là. La petite attaque surprise qui fait du bien. Ah, ils sont un peu, c'est un peu saoulant quand même. Je fonce dessus, prends des dégâts. Soldat antidote. Ici, ça m'amène vers la sortie. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah, parce que. Ah, si, je vais peut-être rencontrer le Grochon. Qu'on rencontre habituellement dans les zones. On doit lui donner des sphères chim.
Peut-être qu'il s'est écrasé ici. Petite attaque surprise. Ah mais laissez-moi tranquille. Moi qui ne font pas pas beaucoup de dégâts. Hein. J'ai pas fait une seule attaque Rengeki. J'aurais pas gagné de bonus d'expérience. Ce qui est bien dommage. Petite attaque surprise. Allez, tu vas y passer. Ok, donc j'ai fait tout le tour de la zone. Ok, c'est parfait. Par contre, j'espère que je vais rencontrer un seul ennemi parce que, comment dire, j'ai un peu la rage. Parce que si on va sur mon état, on va sur le statut, il me manque. Il me manque 37 points d'expérience pour monter d'un niveau. Et finir le niveau avec peu d'expérience à gagner, je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu nul. Alors, donc j'espère que c'est la fin du niveau, moi apparemment. ビジネス また余計な恨み買っちまったようだね。アリーナのチャンピオンに手出すなんて無謀無謀。お前、なんでそのこと。あんたをやりたくてたまらないの。私だけじゃないってことさ。何から何まで全部お膳立てしてもらった上に弱っちい死の恐怖様をやるだけで金まで貰えんだから。 割りが良すぎて怖いくらいだよ。PBSの返信もてめえらの仕業か。クソ。そこまでだ。PK諸君。はあ。おやおや。月の木のお偉いさんが。 こんなところに何の用だい。マナー知らずの乱暴者とネットゲームのあり方について語り合いに来た次第。すかしてんじゃねえよ。てめえらもまとめて PK してやろうか。それは困った。我ら月の木では PC に対する攻撃を禁じている。しかし不当な暴力に対する防衛手段 禁じてねえってわけよ。クソ虫。さあ、来いよ。俺を切ってみろ。謝るな、松。分かってますよ、榊さん。こっちからは攻撃しない。君は確か
ケストレルに所属しているのだった。ケストレルのギルドマスターガビは寛容な男だと聞いている。だが彼は PK を推奨はしていないな。君たちが月の木のメンバーに不当な PK を仕掛けたことを知れば、彼は叱るべき処置を求める。違うかな。それとも君はガビにとって特別なのか、ボルドー君。分かったよ。理解が早くて私も嬉しい。それとそちらのハセオ君、我らが同胞アトリのご友人だ。同様の配慮をお願いしたい。返事が聞こえないな。クソ、分かったよ。アセオも PK しねえ。それでいいんだろ。結構だがな、アリーナバトルは別だぜ。もちろん、アリーナのバトルは両者の合意のもとで行われる行為だからな。だそうだぜ、ハセ。アリーナ来るときは覚悟しとけ。もう安心していい。彼らもギルド内での立場を危うくするほど愚かでは。正義の味方が板についてるな。そういうキャラ、それとも自家。我々はネットゲームのプレイヤーとして当然のことをしたまでだ。別に正義の味方などとおごるつもりはない。どうだか、わざとらしすぎんだよお前ら。タイミング読みすぎ。この現場に間に合ったのはアトリが事前に情報を得ていたためだ。事前の情報？はい、あの時の子が教えてくれたんです。あの、はい。お姉ちゃんはハセお兄ちゃんのお友達？違うの？いいえ、お友達ですよ。だったらハセお兄ちゃんを助けてあげて。助けるってどういうことですか？どうやら BBS に偽のレスを返したのも PK を雇ったのも彼のお姉さんがやったことらしいんです。サクが？はい、今ならお姉さんが寝ているからってボウ君が。一人じゃ心細かったので榊さんに連絡取って。間に合ってよかった。あのな、誰も助けてくれなんて頼んじゃいねえよ。ハセオさん、行儀が悪いな。君が助かったのはアトリのおかげだろう。礼の一つぐらい言ってもいいんじゃないかね。はいはい、ありがとうよ。これでいいかよ。狭い、狭く小さすぎるよ君は。それはともかく、最近いろいろと大変なようだね。困ったことがあればいつでも我々を頼りにしてくれていいんだよ。冗談、頼った途端洗脳されそう。このガキ、さっきから聞いてりゃ榊さんになんて口の利き方しやがんだ。やめなさい松。でもこいつ、ハセオ君、出会った相手全てを敵だと思って生きていくのは辛くはないかね。それよりも互いに求め合い理解し合う方がずっと楽だ。そうだろ。宗教には興味ないっつってるだろ。てめえ松。はい、すいません。アセオ君、私は君とも理解し合いたいと思っている。
願い下げだな。俺があんたらを求めてない。それは残念だ。では、次に会う時までに君が本意していることを願っておこう。ありがとうございました、榊さん。この間は生意気なこと言ってすみませんでした。いや、本当にごめんなさい。たぐ、とんだ骨折り損だったぜ。これじゃいつまで経ってもアリーナに参加できやしねえな。あ、BBS で募集していましたね。あと一人なんですか？ああ。じゃあ、私、やります。え、マジか。はい、マジです。だってお前、嫌なんだろ？負けたり勝ったりするのって。そうですけど、私、思ったんです。ただ、月の木のこと、長谷尾さんに押し付けるだけじゃなくて、私だって、長谷尾さんのこと、アリーナとか、バトルのこと、分かんなきゃって。あ、それに私一度勝利の味ってものを知りたかったりして。ダメですか？全然いいんじゃねえの。そんじゃ味合わせてやるよ、勝利の喜びってやつをな。Donc Atoli est devenu membre de la guilde Canard, ok. Ja, watashi mo ikimasu ne. Ah. J'ai obtenu un nouveau message, mais je pense qu'on le lira la prochaine fois qu'on commencera. On commencera l'épisode. Alors A, S, B. Pourtant je les ai tous trouvés. Ok. Alors maintenant, où est-ce que je dois aller? Ah oui, donc la prochaine fois, on lira le message dans le prochain épisode. Hop, donc on va quitter tout ça. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai un email important non lu dans la messagerie et on le lira la prochaine fois dans le prochain épisode. Donc voilà, donc les amis, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like à la vidéo, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous pensez qu'il y a des trucs que je pourrais améliorer sur ma façon de faire ces épisodes là. Et la partager bien évidemment auprès de vous. Du coup, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.